What a surprise. Il y a toutes sortes de réactions qui sont en train de se passer là au moment où je vous parle. Il y a super, on en a deux pour le prix d'un. Il y a c'est pas du tout le même humour. Il y a who's this man? I don't know. Who's this? He's a funny immigrant. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je suis là pour lui en fait. Je voulais simplement vous dire à quel point je l'aime et je l'admire. Je voudrais qu'on accueille non pas un humoriste britannique, mais un artiste universel. Monsieur Eddie Izzard. Toutes les choses que j'ai dit, je vais dire ce soir, sont les vrais faits parce que j'ai lu Wikipédia et ma tête est presque en Wikipédia. Et Wikipédia est formidable. Avant Wikipédia, tout le monde, dans le monde entier, on les grandes disputes. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est pas comme ça. Maintenant, nous pouvons dire, hey, attends, j'ai un iPhone avec Wikipédia, je peux le vérifier en 2 minutes. Ou j'ai un BlackBerry et en 2 heures, je peux le vérifier. Et de temps en temps, on clique sur un mot et il dit, il n'y a pas de page pour ce mot. Pourquoi est-ce que quelqu'un a créé une page pour dire il n'y a pas de page? Ça, c'est vachement stupide. Très vite maintenant, avec le Wi-Fi, on peut créer un email en même temps. Une boîte apparaît sur l'écran et dit, est-ce que vous voulez faire une mise à jour de logiciel? On dit, oui, pourquoi pas? Est-ce que vous voulez le faire maintenant? D'accord. Est-ce que vous voulez savoir les détails de mise à jour de logiciel? Non. Et quand nous cochons le cas, je pense qu'une petite partie de chacun de nous meurt. Parce que je pense que les avocats qui ont écrit les conditions n'ont pas lu les conditions. Nous allons prendre tes fesses et les vendre aux Chinois. J'accepte. Nous allons cacher tes chaussettes dans les buissons. J'accepte. Maintenant, tu t'appelles Jean-Claude Van Damme. J'accepte. Merci. Paris.